téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à Culture 8, cet espace qui vous permet de faire plus ample connaissance avec les différentes personnalités de la sphère publique du pays. Aujourd'hui, nous avons comme invité Jonas Constant, plus connu sous le nom de CJ. Il danse, il chante, un garçon multitalentueux. Bonjour CJ. Bonjour Michel-Ange, c'est un plaisir d'être là avec vous sur Culture 8. Et comme vous l'avez dit, je suis CJ. Encore une fois, c'est un plaisir. Il est né le 1er janvier 1989 à Pétionville. Chanteur et danseur, il s'appelle Jonas Constant, mais il est plus connu sous le nom de CJ. Il a fait ses études primaires au collège Frère Ardouin à Carrefour et ses études secondaires au lycée Henri-Christophe. Il a effectué des études en communication à l'ISCOM. Il a fait ses débuts dans le showbiz en 2017 avec un Bad Boys dénommé Simple Boy. C'était surtout un groupe de jeunes danseurs, bien qu'il leur arrive d'offrir des performances agrémentées d'un mélange de chant et de danse à l'américaine. Ils ont participé au Ticket Max Academy dans la catégorie chant et danse. Ils ont terminé parmi les finalistes. Depuis lors, leurs visages se sont imposés dans différentes chaînes de télé. Ils ont même sorti un clip titré « So Blap ». Se considérant avant tout comme un artiste solo, CJ se lance plus mature et déterminé à réussir à imposer son style. Actuellement membre du groupe Chalet, il continue néanmoins de travailler sur sa carrière solo. C'est à cet effet qu'il a sorti en 2016 une chanson titrée « Feeling Moins ». Récemment, à la fin de l'année 2018, il a sorti un nouveau single titré « Ménageux ses amis moins », inspiré du chanteur américain Sean Paul. L'artiste se dit pas encore prêt pour un album pour le moment. Il va surtout continuer à étudier le marché musical afin de mieux cerner. En attendant, il continue de proposer des singles. Certains seront vidéoclippés. CJ se dit patient et attentif pour le moment. Il attend d'être prêt pour proposer son album solo, car il veut prendre sa carrière avec des pincettes. Bon, ok, CJ, nous connaît le public, la découvre vous avec Simple Boys, et groupe que nous avons lancé en 2007. Mais avant ça, comment vous venez découvrir que vous avez un talent pour danser et pour chanter tout? Est-ce que c'est un bagage que vous avez fait des poupitis? Comment adolescent souterrain par rapport avec talent artistique ça que vous avez? Bon, je pense que j'ai mes premiers micros moi, à l'âge de 5-6 ans. Et en plus, il y a des gens qui ont toujours dit qu'ils ont chanté depuis petit, mais c'est bon, moi, je me dis, mais c'est la vérité. Et je pense que c'est dans la troisième année de kindergarten que j'ai gradué, j'étais bon pour un soliste, mais je ne connais pas vraiment ce que j'ai fait. Mais c'est moi qui ai choisi de quitter pour faire, je pense que c'était une raison. Et puis après, dans l'école primaire, je suis venu comme si j'avais une appréciation en plus pour la musique. Tout ça, et puis le map fait et quatrième année fondamentale. Et me songe l'école, moi, organisé un concours chanté Noël, me participer, me champion là-dedans. Et puis moi, un mois, un deux, et puis me venir comme si moi intéressé à la musique. Et puis, mes qui gens, comme si me commençais dans la musique et qui vient by CJ Jeune, je veux dire. Mais vous commencez avec la danse quand même. Comme, si vous avez chanté avant, est-ce que c'est parce que vous avez remarqué que le secteur de danse est plus bon, facilité pour faire public dans le découvert, qui fait c'est avec danse que vous avez plus connu avant? Bon, ça qui vient de faire moi danser et tout, et premièrement, je peux dire que c'est un talent de la carrière et tout, mais je peux pas développer assez. Et je pense que j'ai commencé vraiment à pratiquer la danse en 2005. Mais c'était un bagage comme si je remarqué qu'il était là quand même. Et je me suis regardé petit courant à l'époque, bah, ça était à la mode. Mais je suis rentré dans l'école danse pour me perfectionner le talent que j'ai. Et
Je devine faire ça trop tard. Mais ça qui t'a influencé me danser plus, c'est artistes que me t'a suivi. Et à l'époque, il me qu'on a suivi N5, c'était un boys band. Et tu me chantais pendant à chanter à danser, et puis avec le temps vinap suivre Usher, et vinou comme si chanter danser en même temps, surtout pour style que m'a fait les matchs, et puis vinn perfectionner là dedans. Justement, j'allais dire ça, style où il rappelait beaucoup Usher. Bon oui, en pile monde souvent dit et le sur scène et plus précisément que moi semble avec Usher, et me capable dire monsieur c'est une idole moi. C'est une idole moi, comme si façon monsieur acte sous scène, danse, chant, etc. Bien que il y ait plusieurs autres artistes que moi remets, tant que Chris Brown, Justin Bieber, etc., Jason Derulo, et m'a parlé pour artistes étrangers. Mais Usher, il juste était un modèle incomparable pour moi. Ok, justement, en 2007, nous avons lancé une aventure Simple Boys. Comment ça a commencé? Prenez-nous tes gains Reginald George comme manager. Est-ce que c'est lui-même qui t'a cherché des jeunes, ou même qui a un talent ça, pour danser? Ou bien est-ce que nous avons juste un groupe d'amis qui décidait, voilà, nous créer un boys band pour nous aller danser? Bon, nous, c'était un groupe d'amis. Nous levé presque dans le même quartier. Et nous avons gagné Defin Rivelles et. Et Style B qui te qu'on danser ensemble avant. But moi même ensemble avec Ellie, nous même nous te qu'on plus chanter. Mais nous te venir rencontrer et puis et nous dit bon et monsieur moi ma Ellie et nous va monter nous chanter et puis nous même pour monter nous danser. Mais qui j'en fusion été faite et puis nous chita nous dit bon après les groupes là Simple Boys. Et puis Simple Boys fait, nous commençons à frapper, comme si répéter, faire cette musique, nous, bah ça. Et puis jusqu'à ce que nous devions arriver jeune manager qui était intéressé ensemble avec nous, avec talent nous, qui était ouais on l'autre bagarre dans nous que nous même nous étions capables. Et soit on prend, soit c'est là qui devient plein de jazz. Et puis jusqu'à ce que nous commençons à faire route ensemble et puis la nature a décidé de mettre fin. Vous avez participé dans Ticketmax Academy. Et oui, ça fait longtemps. Nous avons participé à chant et danse et nous sommes arrivés très loin, ni dans le chant ni dans la danse. Et nous sommes obligés de disqualifier nous dans le chant parce que nous n'avons pas arrivé dans la finale ni dans le chant ni dans la danse. Nous avons disqualifié nous dans le chant et puis nous sommes arrivés dans la finale dans la danse. Et je me souviens que nous étions soit 5e ou 7e, comme ça. Everybody clap your hands, Simple Boys is right, right here. Yes, it's weekend, turn up the lights right here. One shot, two shot, yes, we can. Put your cell phones up, in the air. Knock to the Guadalupe, ladies, fellas. Get ready for the party, Jamaica, NYC, okay. Miami, 80, yeah, you know we can. Jamaica, let's play the music, everybody get ready. Party up, I'll come on, say. Nous tout connaît depuis ce week-end qui rive. N'a qu'à gomme un timon pas en vérité. Que dans la période ça côté conquête féminine parce que lorsqu'on chante ou qu'on danse ou ces jeunes petits garçons, j'imagine que c'était le plein pour nous. Bon oui, mais moi-même depuis longtemps moi-même comme si ça c'est pas priorité pour moi et jusqu'à présent je me dis ça c'est pas priorité parce que moi-même pour la musique c'est comme si je travaille, c'est comme si je suis médecin, un ingénieur, comme si moi juste à faire musique comme un métier, c'est lui-même qui pour tout ça que j'ai besoin. But pas faire musique et pour me fille ça on okay. So ça comme si les là donne comme si pas qu'à empêcher elles sont bonnes justement. Mais comme si c'est pas ça qui idée principale là. L'idée principale là c'est vendre talent
et vendre talent tout en fait tout ça que me compte faire en général et puis qui capable de rapporter me demain et qui capable faire m'arriver plus loin que côté me visait. OK, là maintenant où lancer carrière chanteur net et en 2015 où rejoindre groupe Chalet et en 2016 vous sorti Feeling Moi qui c'est première et musique ou en solo. Donc jusqu'à présent comment ça est? Ça c'est chache yon distraction ki ka fè m senti myon lòt jan. Tout mauvais moment ki te passe m vle pliye, s'oublie tout confusion m vle retire. Mwen tande yon son ki pye lwe, ka pale mwen ki vle mene mwen an destination mwen. Par exemple, je suis capable de dire que c'est une très belle expérience et avec Chalet. Et l'homme sorti un feeling moi et c'est juste après que je viens rejoindre le groupe là et que nous chita, nous parler, so, nous poser des conditions, nous dit bon, moi je suis un chanteur qui est en solo. Donc, je n'ai pas de danger pour moi rejoindre le groupe là et son groupe moi très apprécié et qui a fait un bel carnaval 2014. Elles sont bonnes, so, et nous pas de danger, so, moi poser des conditions et nèg yo accepter et puis moi intégrer jazz et jusqu'à présent me capable dire tout bagarre en forme, tout bagarre en forme, ça pas ça en fait ça pas déranger et Chalet en fait ça m'a fait yo et raison plus c'est Mano Beat qui produit ça m'a fait au dans moment, elles sont bonnes, so, nous essayer arranger tout bagarre en façon pour pas empiéter sur projet Chalet. Et pour nous qu'à avancer, c'est donc ça. Justement, faire des musiques en solo, c'est une condition que collaboration avec... Oui, justement, parce que Chalet pas fait... En fait, Chalet fait world beat. Comme si, ou plus ou ennèg yo, et comme si, musique comme si qui hat, qui comme si qui... On l'autre bagaille, est-ce qu'on comprend? But moi-même, étant que on chanteur R&B, on chanteur de charme, comme si gain en dehors de Chalet, comme si gain d'essayer de l'autre bagarre m'ta prouver en plus, est-ce que vous comprenez? So, c'est ça qui vient faire que m'pa vle mettre fin avec ça que moi-même m'ta offrir dans le temps pour produire des bagarres qui allaient dans style pop. Justement, justement c'est ça et puis le moins dans Chalet ou ouais comme si et c'est Chalet mais le ou regarder CD ouais son bagarre qui est totalement différent par rapport avec Chalet. Mais là, en pleine promotion de nouveau single, là, oui. Qui c'est Ménage ou ses amis, que justement, vidéo a ou fait avec Mano Beat. Est-ce que c'est vous-même qui écrit la musique? Oui, c'est moi qui écris. Pour Beat, justement, est-ce que c'est toujours avec même collaboration Mano Beat ou bien est-ce que c'est avec l'autre et production que vous collaborez? C'est avec Mano Beat jusqu'à présent. Moi, collaboré et surtout dans la musique et Ménage ou ses amis, c'est Mano Beat qui produit Beat, là, c'est lui-même qui fait enregistrement, c'est lui qui. Mixer et c'est lui qui fait vidéo en tout. OK. Ça veut dire c'est moi capable de dire et jusqu'à présent et Mano Beat c'est une membre dans l'équipe qui est actif. Ah, super. Yeah. Donc là est-ce que vous mettez carrière de danseur en parallèle en parenthèse ou bien est-ce que vous avez toujours continué balancer carrière chanteur carrière danseur? Est-ce que c'est possible pour nous rejoindre CJ non en bonne en boys band encore qui a dansé ou bien? Bon et non pas jamais connait qui ça et la nature capoté à l'avenir mais et pour l'instant ça pas dans tête moi comme si pour moi fait partie de un boys band et c'est ça que fait et le m'a chanter moi même personnellement me danser et surtout si regarder nouveau vidéo moi
comme si moi danser dans vidéo donc on a comment qui gagne sur YouTube comme si gagne mon cap comparé ma Jason Derulo comme si il a dit y aurait mais ça y aurait ça qui t'a de faire plaisir bon oui il fait un plaisir et ça comme si et vous mal travail plus toujours parce que si toutefois y a qu'à faire en comparaison avec un méga star comme ça et me penser y aurait un potentiel et me penser et pour me capable river vraiment toucher niveau en forme travail davantage comme si me pas prendre et compliment pour me juste faire la grosse tête me dire OK me compte danser non comme si faut moi toujours à perfectionner parce que danse là a évolué à chaque fois tout et c'est ça qui fait comme si j'ai et en dehors de chalet hein, que c'est chanteur danseur en même temps et comme dit bon tout ça bon en dehors de l'op dans le studio l'op danser tu fais autre chose est-ce qu'on gagne l'autre bon évidemment on gagne l'autre centre d'intérêt c'est qui ça pour permettre public bon et on capable dire tout ça que moi a fait jusqu'à présent gain rapport avec art et c'est ça justement comme si le moi était terminé études classiques moi papa m'était toujours voulait comme si soit moi vigno avocat ingénieur mais m'était dit papa me que m'pas pral apprendre rien m'pas pral faire rien qui pral parallèle avec musique parce que et musique son bagage comme si premièrement m'te gétan remarqué qui en fait qui ensemble et son bagage comme si m'vise un paquet de bagage ensemble avec m'pas de vouloir entrer dans une activité qui pral faire m'pas gien temps du tout pour musique et Dieu merci tout ça que m'a entreprendre jeune jodi en gien rapport avec musique et m'capable dire m'son jeune jodi m'son producteur et m'a travaillé dans Anale Records c'est comme si toute activité me connait avec musique et puis on danseur et chorégraphe tout c'est tout ça m'a fait dans un moment gain rapport ensemble avec art et me dit bon Dieu merci pour ça parce que il pas qui te me fait rien qui parallèle avec ça que moi et jusqu'à présent pas pour malgré le réticent pour embrasser une carrière de ce genre est-ce que il changer d'avis ou bien il style toujours à besoin mon cher qui papa m'a dit aujourd'hui hein et tant que sous par contre si j'ai l'abjo ou par contre petit garçon là ou pas intelligent la gars c'est ça oui li ça il était pensé autrefois parce que pas oublier et en pile parent en fait en pile ancien parent yo comme si pas de jambe prend musique comme en profession yo était toujours prend monde qui fait musique comme si comme un monde qui pas justement mais comme s'il n'est pas trop là dedans mais je ne j'ose dire il vient réaliser que et musique commence à faire un paquet de bagages pour moi dans la vie comme s'il vient voir que on pas faire un mauvais choix et il vient conscient tout que en fait il toujours connaît que ses parents il était supposé reler DM pour faire un l'autre bagage mais il voit comme si le t'a reler DM non pas ni fâché sur lui ni jouer mais il était toujours à continuer avec études moi pendant ce temps d'a faire musique et je ne j'ose dire capable dire musique commence à rapporter quelque chose ah, tu as fait des études supérieures bon oui moi c'est un journaliste en radio télé okay. So en fait et m'était à prendre tout c'est parce que m'a pas voulu trop décanter de musique ah OK tu voulais rester dans le même milieu justement bon là après c'est vrai que nous prenons un bon nouveau single qui fait sortir mais après ça est-ce qu'on a des projets à long terme après ça là maintenant que on travaille sur bon j'ai un projet à court terme qui c'est et un grand concert que m'a fait le 29 décembre et dans le village de Pétionville et m'tout profiter inviter tout le monde dans grand concert ça parce que m'va essayer faire un bagage qui m'ta oser dire qui pas fait en Haïti et m'pa gagner moyen économiquement comme si pour moi répondre ensemble avec tout ça comme si m'ta voulait faire vraiment mais dans peu de ça que nous gagner nous pas battre pour nous réaliser un concert qui pour que j'en fait parce que nous gagner on metteur en scène qui a travaillé ensemble avec nous gagner un chorégraphe et Boam me salue qui a travaillé ensemble avec nous me salue toute équipe Equality Dance là qui a accompagné et puis tout l'autre artiste qui répond présent cap dans spectacle là et surtout mon ami un chanteur monsieur son haïtien monsieur USA monsieur a rentré pour concert là tout so, on pense nous va faire une belle fête dans le village le 29 décembre
Admission, c'est 500 roubliers, ma pomme, tout le monde. Ok, d'accord, je te souhaite du succès pour merci ton beaucoup. C'est... Voilà, chers téléspectateurs, c'était CJ. Vous venez de l'entendre. Il invite nous dans un grand concert qui a fait 29 décembre, le Villac. Et bien évidemment, dernière musique, il est sur toute plateforme de distribution musicale, c'est Ménage ou ses amis. Merci CJ, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir pour moi, merci. D'accord, bye bye tout le monde. Ménage ou ses amis, moi vle nous guetter zombie, moi qu'on aurait même, nous pas qu'à ensemble. Ménage ou ses amis, moi vle nous guetter zombie, moi qu'on aurait même, nous pas qu'à ensemble. Compliqué.